Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une poignée amovible qui s'adapte sur le Monsieur Cuisine Connect. On va voir ensemble si c'est un top ou si c'est un flop. Allez, c'est parti! Alors on peut trouver cette poignée amovible en vente sur Amazon environ pour 15€. Il y en a certaines aussi qui se vendent par deux. Il existe différents modèles. Elle se présente comme ceci, elle est toute noire. Je la trouve assez solide. Il y a un côté lisse et un côté rugueux pour qu'elle tienne bien en main. Et il y a aussi la forme des doigts. Pour l'adapter, c'est très simple. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque votre bol est en place avec le couvercle fermé, on ne peut pas soulever le bol du robot. C'est tout à fait normal, c'est une sécurité. Il faut donc retirer le couvercle pour soulever le bol. Et donc, en fait, pour la poignée, c'est exactement la même chose. Elle s'adapte comme le couvercle. On doit la faire glisser au même endroit que le couvercle. Mais du coup, la sécurité se met en place. Donc on ne peut plus soulever le bol, donc je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve que c'est un point négatif. On est donc obligé de mettre la poignée après, une fois avoir soulevé le bol. Une fois mis en place, c'est quand même hyper pratique. C'est solide, ça tient super bien. La poignée ne bouge pas du tout, elle est bien fixée. Pour ça, il n'y a rien à redire. Deuxième point négatif à mon sens, lorsque je verse ma préparation, il faut faire attention car tout coule sur la poignée déjà existante du bol. Donc ça c'est un peu dommage parce qu'il faut faire pivoter le bol. Je pense qu'avec deux poignées ça serait beaucoup mieux. Donc pour moi les points positifs de cette poignée amovible, elle est très solide, elle tient bien, elle est bien fixée. Ça bouge pas du tout, on peut soulever le bol très facilement, il n'y a aucun souci. Et le prix n'est pas excessif, donc ça va. Point négatif, je trouve que c'est dommage qu'on ne puisse pas mettre la poignée pour soulever le bol du robot, parce que la sécurité se met en place, donc on est obligé de retirer le bol et ensuite mettre la poignée en place. Ça c'est un peu dommage. Et deuxième point négatif, lorsqu'on verse la préparation, tout coule sur la poignée existante du bol, donc c'est dommage, on est obligé de tourner le bol, mais quand il est plein, c'est quand même assez lourd, donc c'est un peu plus compliqué. Je pense que deux poignées, ça serait l'idéal. Donc si vous devez faire cet achat, pensez à en prendre par deux. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le pouce bleu. Allez, ciao !